bien chargé, en particulier de la gestion des remplacements, puisque chaque équipe a droit à 12 remplacements dans ces matchs de 2 fois 40 minutes. Là, place au jockey. Et Julien Pedella pour l'instant de son essai. Italie 12. Thank you.
Odyssey, Italie 24, Écosse 0. Italie 24, Scotland 0. 4, Scotland 0.
ouvrir la tension de son essai. Italie 36. Non, pas du tout. J'ai une petite caméra et j'ai pas de moniteur au port. J'en ai un, mais pour la grosse. Valero est appelé devant le vestiaire au 2. Le docteur Christian Valero est appelé au vestiaire numéro 2. Merci. Ici. Oui, mais tu m'aurais dit, tu aurais pu passer, hein. Tu peux faire tout le tour. Enfin, moi je suis gros. Mais non, mais non. Thank you.
je sais pas quoi. Ça ressemble à du rugby quand même, il se tamponne quoi. Thank you.
Information Julien Benella, Italie 48, Écosse 0. C'est pas idéal, hein. Italie 7-4-4, Écosse 0, Scotia 0. Un quart de 10 minutes de jeu, il s'est cassé plus vite. Come on.
pas pu. Ah, pardon. Un petit peu mieux déjà. Ouais. Thank you.
Et c'est la fin de la première mi-temps à l'avantage de l'Italie, 60 à 0. Italie 16, Scotland 0. Allez, c'est la reprise qui envoie Italie. Thank you.
première transformation marquée de l'après-midi pour Julien Pénal. Julien Pénal en face de son essai, l'Italie mène 76 à 0. Italie 76, Scotland 0, Italie 76. C'est signé Michael Mellon. Et Michael Mellon représente son essai. Écosse 6, c'est la T6.
Thank you.
messieurs. Thank you.
Thank you.
lors du match, dans le match, lors de la partie d'Ouest, contre l'Italien, Julien Pella. Et donc, j'ai décidé la rencontre, Italie, on va dire 10, 6, Italie, 7, 6, Scotland, 6. Et donc vous allez avoir une famille, voilà, jusqu'à 13 côtés.